Hey, bonjour à tous. Oh, j'ai un petit rototo, c'est trop mignon. Bonjour à tous à toutes, c'est Kilosop 666 pour l'épisode 7. C'est Dark Souls 3, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien et j'ai une nouvelle amoureuse. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé entre temps, pour info, on est le dimanche 14 août. Il y a le match de l'équipe de France de handball contre la Suède. Au moment où je tourne cet épisode, il y a 14-12, mais de toute façon, le match. J'avais oublié qu'il y avait ce petit chemin là. Le match sera fini à la fin de l'épisode, donc on s'en fout. Ou si, ce sera fini, je pense. Et je suis tombé. Oh non, mais ça va être trop lourd! Bon, on va faire 261 de dégâts. Parce que s'ils se cassent à chaque fois que je leur tape dessus, ça va vraiment être lourd en fait. Mais je suis tombé fan absolu de Laura Glozer en même temps. Elle a fait tous les arrêts qu'il fallait pour me convaincre. C'était absolument magnifique. J'ai regardé 5 minutes, hein, mais j'ai vu des choses que le commun des mortels apprécierait. Tiens. Merde. Ouais, des grands fragments. Non, il me faut des petits fragments, calmez-vous. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. J'ai deux flèches plantées dans le corps, mais à part ça, ça va. Une flèche qui est beaucoup plus grosse que l'autre d'ailleurs. Je me suis fait parer? J'ai même esquivé une parade. Oui. Elle court, la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. J'aime pas... Je déteste Sardou. Alors pourquoi je le chante, me direz-vous? Parce que je suis un esprit faible. Et quand j'ai une chanson en tête, même si c'est une chanson que je, de quelqu'un que je n'apprécie pas, eh ben je la chante. Par contre, eux, ça va être la merde en fait. Parce que ils se déplacent beaucoup trop vite. Ils font beaucoup trop de dégâts. Je leur n'en fais pas assez. C'était un combat. Alors, je veux pas me la péter, mais c'était quand même... pas mal. Oh, j'aime tranchante. Oh, c'est parfait. Je vais revenir. L'arme que j'ai n'aura rien à voir avec celle que j'avais 2 minutes auparavant. Là, il me manque un fragment de titanite normal. Et je reviens avec une arme plus 4 tranchante. En fait, faut... Je crois que les squelettes normaux, faut pas que je charge. En fait, faut juste que j'arrive et que je fasse l'attaque de base. Le follow-up. Et encore une fois l'attaque. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Ça m'a l'air plutôt efficace. Normalement, il y a un truc secret ici. Je sais plus. Il y a un anneau, mais je crois que c'est qu'en New Game Plus.
Oh oui, je vais même bien à mon avis si j'arrive à avancer encore un peu. Oh merde, le backstab qui est pas passé. Je vais peut-être même réussir dans deux... Ah, fragment de titanite. Bon, déjà... Le 5, c'est garanti. Non, le plus 4 est garanti, c'est le plus 5 qui est pas garanti. Oh merde. Ah oui, mais c'est même garanti, garanti. Bon. Oh, fragment de titanite. Là, je commence à être bien. Je vais même commencer à pouvoir améliorer mon arc. Alors, la question, c'est la même. Hein. Quel arc j'améliore? Pharos ou arc long? L'arc long, l'avantage, c'est ses attaques puissantes qu'il a. L'inconvénient, c'est que globalement, il va faire moins de dégâts qu'un arc de Pharos et il aura moins de portée. Donc en fait, je suis en train de me dire, pour le peu d'utilité que j'ai de son attaque spéciale, autant ne pas s'emmerder et directement augmenter l'arc de Pharos. Hein. Je crois qu'on va faire ça. Alors normalement, est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas? Ah, Henri. Oh, hello. Have you seen Mike? To my shame, I was. I... Yes, I thought we'd pay that Ankle Man. That Ankle Man. Salaud. Ah, mais non, je suis con. J'ai oublié que dans le jeu, s'il tombe, c'est pas grave, on a quand même la gemme. Raté. Tu m'as raté deux fois, mec. Hein. Franchement, je pense que tu devrais commencer à faire des efforts. Hein. Trois fois, ça fait beaucoup. Elle court. Elle court. Alors là, je suis à quoi? Je suis à 9, 4 et une gemme tranchante. C'est très bien. Encore deux grandes titanites. Et on est vraiment posé. Attention, ça revient. Attention! Ça revient. Pas faute d'avoir prévenu. Hein. Tu vas où toi? T'es cru chez ta mère? Oh non. Oh non non. Il est pas censé... Oh putain! Bon. En fait, j'avais pas vu que le truc avait eu le temps de repartir en arrière entre le mot... Raté! Entre le moment où j'ai tué le magicien et voilà. Là vous dites, mais du kid, tu vas où? Tu vas pas revenir à ton point de départ? Non, je vais pas revenir à mon point de départ. Non, 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 c'est juste que, bon d'accord, je pourrais aller là-bas, en fait, c'est un peu con, après ma mort, parce que je pense que je vais mourir. Mais, je vais quand même y aller maintenant. J'ai juste me préparer un soin parce que, voilà. Je pense que c'est mieux d'utiliser le sort parce que là ça va être des dégâts de chute. Donc déjà c'est relou parce que en plus c'est en New Game Plus qu'il y a un putain d'anneau ici. Donc ça sert à rien que je vienne là en New Game normal. Putain, c'est vraiment New Game Plus, j'avais un doute. Bon bah ça sera juste un raccourci. Bon bah voilà. Oh bah j'ai gagné de l'estus, comme quoi c'est pas tout négatif. Ah merde, toi t'es encore un... Ça c'est pute parce que non seulement vous prenez des dégâts, vous êtes pris le truc dans la gueule, mais en plus, derrière il y a un sort qui est là pour vous péter la gueule quoi.
La vitesse à laquelle il se refait, c'est un peu irréaliste. Genre, en fait non plus là. Même pas mal. Ok. Anneau opalin de Cartus, c'est celui qui me fait disparaître quand je fais des roulades. Là c'est un combat un poil tendu quand même. Je crois qu'en plus le pire c'est que celui-là il réapparaît quoi. Et ça c'est quand même tendax parce que... Je suis plus fort que toi. Regarde, je te le refais encore. Bon, ça marche pas à tous les coups, j'ai compris. Bon, je vais... Ok. T'es tombé pas tout le temps dans le même piège, j'ai compris. Fragment de titanite, bien plus qu'un. Non, mais ça, c'est une blague. Ça s'est arrêté à 1 cm de moi, j'ai de la chatte quand je me mets. Oh, fais chier. Tu veux pas crever? Des coucouris! Coucouris! Non, je vais pas le toucher, tant mieux. Parce que là, j'ai plus de soins. Grand fragment de titanite, je crois que là on est bon. On est bon, je vais pouvoir améliorer mon arme comme un gros porc. Je suis de la chatte. Excuse-moi. C'était cette action de gros mongol quand même. Viens. Mais viens. Il m'aura bien cassé les burnes celui-là. Là faut absolument pas tomber. I'm free like a river. C'était tendu du cul. Alors il y a un PNJ d'invasion qu'il faut absolument que je tue. Est-ce que je vais faire le lac ou pas? Certainement. Du coup bon, on va aller améliorer son arme hein. On va se faire plaisir. Donc j'ai une arme à 170. Déjà on va l'imprégner, donc juste l'imprégnation en tranchant, donc je fais 126 plus 44 c'est facile, ça fait 170, mais ça je le savais déjà. 118 plus 61 ça nous fait 179. Voilà, donc je gagne 9. Donc déjà rien que ça, bon c'est
C'est neuf, c'est cool. D'ailleurs, c'est acéré, c'est pas tranchant. C'est acéré, d'accord. Mais là, c'est là que ça va devenir ouf. C'est que là, je te fais 6. Pouf. Et boum, ma gueule. Et là, je suis à 147 plus 83. Ça nous fait du 230. Et ouais, je gagne 62 dégâts. Ça fait 1,5 fois ce que j'avais à peu près. Un peu moins. J'ai pas de fragment d'excuse. Oui, I'll be careful. Don't worry about me. Donc voilà, 232 dégâts. Là, on ne rigole plus. Ah, il y a un bug de son quand je fais ça, par contre. Hein. C'est pas très agréable au niveau des écoutilles. En plus, j'ai de quoi choper des âmes au cas où. Je les économise, on sait jamais. Et catacombe de Cartus. D'ailleurs, parlons-en. Parlons-en. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Voilà. Hein. Par contre, niveau grand fragment, j'étais au top. Hein, parce qu'il m'en fallait 6, j'en avais 6. Normalement, c'est faisable. Normalement, c'est faisable. Mais il faut être vraiment au taquet. Bon, j'ai pris des dégâts, mais j'ai tué tous les rats. C'est un compromis. Plutôt pas dégueu. Alors là, c'est parti, les dégâts, en veux-tu, en voilà. Ah, le rat, il a droppé une braise. Ah non, une âme de corps. Mais non, je suis con. Ça droppe pas de braise, les rats. J'aime le challenge. Alors. Ah, j'étais trop rapide. Je crois que le plus ouf, c'est que même contre les squelettes, maintenant, je fais des dégâts plutôt intéressants, quoi. J'en ai eu combien, là? 2, c'est ça? Je sais plus. J'ai pas eu l'impression que c'était un 1, en fait, mais c'était peut-être bien un 1. Coucou! Là, normalement, il y a un piège. Ça marche à tous les coups. Je crois que anneau opalin de Cartus, ça diminue ma défense, mais je peux faire des roulades invincibles, c'est ça? C'est ça. Ah, qu'on est bien. En plus, je suis embrasé, donc je vais pouvoir déclencher l'invocation. L'invasion. Bah, il m'envahit pas. Alors, Zolik, sa particularité, c'est de taper très très fort. Et moi, ma particularité, c'est de ne plus savoir du tout comment on fait les parades. Et sa particularité, c'est d'avoir cette attaque qui vous met de l'hyper-armor. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que... Merde, j'aurais dû le backstab. J'avoue que l'épée qu'il a, c'est vraiment pour moi la meilleure idée, c'est de me battre dans un couloir. C'est-à-dire que l'épée, voilà, elle tape dans tout le couloir et moi, je peux pas trop esquiver les attaques, mais bon. Ah, mais ça, c'est aberrant comme c'est cheaté. Non, mais vraiment. On est tous d'accord pour dire que c'est craqué comme truc. Non? Ça ne choque que moi? Oh putain. Ah oui, je t'ai beaucoup plus fort que tout à l'heure. Enfin, toi tout à l'heure, tu m'as pas affronté, mais ton pote qui m'a affronté, je t'avouerai que là, il doit être surpris de voir. Merde, ouais, par contre. Oh, c'est ennemi! C'est l'ennemi du mal. Et c'est le mec, il est là
pour te casser les burnes. Alors par contre, je vais refaire un test. Parce que en fait, je sais plus si ça passe à l'aller ou au retour. Normalement, je sais que j'ai une technique où je cours comme ça. Et non. Ah si, hein, je crois que c'est comme ça. Hein. En vrai, normalement, je crois que comme ça, moi, ça passe. En courant juste après avoir pris le feu. Là, je me prends... Voilà, là, ça passe aussi. Mais je crois que même courir non-stop après être parti du feu, ça marche. Hein. Regardez-moi la vie. Cet ennemi, c'est un diable. C'est un diable. Cet ennemi de l'impossible. Oula. Reste là, reste là. Caméra, reste là, merci. Elle a commencé à partir en vrille en étant toute floue là, j'aime pas trop ça. Et normalement là, oh, là j'ai pas assez d'endurance là. Oh là, ça va me rattraper là. Oh, ça va me rattraper là. Mais non, pas du tout. Oh putain. La tombe a failli devenir ma tombe. En fait, il fait super mal à travers mon bouclier, lui. Je sais pas pourquoi je me fais chier à chaque fois, sérieux. Par contre... Ouais, le mec, il chasse des rats avec un arc. Alors, direct, toi, je te bute. C'est marrant, j'ai l'impression, bon après c'est qu'une impression, mais que à une main, il est stunlock en permanence alors qu'à deux mains, il ne l'est pas. Putain, par contre, niveau fragment titanite, c'est royal. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'à une main, on a du stunlock quasi permanent alors qu'on l'a pas... Je vais tirer. Est-ce que je vais réussir à toucher les deux autres là-bas? Bon, tant pis, ça aurait été marrant. Lui, il revit en plus. Ouais, je suis quasiment sûr qu'à une main, on a stunlock permanent et on l'a pas... Voilà, non, j'ai pas eu de stunlock. En fait, à une main, c'est beaucoup plus simple, cet ennemi. Bon, je l'ai fait dans le vide, ok. En fait, j'ai vraiment une regaine d'endurance qui est totalement ouf. Du coup, l'anneau plus le bouclier. Quoique, j'ai peut-être plus l'anneau. Si, j'ai l'anneau et le bouclier, donc. Je suis vraiment au top. Je suis pressé d'avoir l'anneau du frelon avec cette arme. Ah oui, j'ai des cendres à les donner à l'autre. Peut-être que j'ai des outils intéressants. Bon, bah voilà, on avance, hein. De toute façon, là, je vais aller faire le lac, donc... Oh, fais chier. Cale-toi contre un mur, s'il te plaît. On est d'accord, c'est super beau comme endroit. Non, mais c'est vrai. Et vous ne connaissez pas la vue d'en bas, mais alors, en bas, franchement, vous m'en donnerez des nouvelles. Là, je compte sur vous, hein. Merci. Salut Henri, ça va? Ah, hello, we meet again. Have you seen Hop? Oh yes, I've searched high. Oh. Oh, okay. LOL! J'étais tellement fier de mon coup. Mais non.
Eh, on le voit d'ici, Horace. Mais attendez, c'est pas Horace? Pourquoi il y a Pat? Attendez, c'est Horace ou c'est Pat? Je sais plus quelle arme il a, Horace. Bon, il est relou le pont là. Ah, il ne casse que dans un sens. Bon bah faut y aller parce que sinon je vais me faire tuer. Ne casse pas le pont, ne casse pas, par pitié, ne casse pas. Ah non, faut taper, j'avais oublié. Casse. C'était chaud. Hein. L'échelle la mieux cachée de l'histoire des Souls. Ah, j'ai bien l'impression que ce soit Horace. Et Henri ! Henri ! Ah oui, je te vois, t'es là-bas. On voit sa tête là qui dépasse un peu. On la voit ici. Là. Henri, j'ai trouvé Horace. Je crois qu'il t'attend. Je vais y aller. Je vais aller vérifier qu'il soit sympa. Et après, je te dis si. S'il faut s'en méfier ou pas. On fait ça, Henri? On fait ça. Entre temps, moi, je vais éviter de mourir. Ok, d'accord. Je vais peut-être aller tuer ça. Parce que là, j'allais déclencher le combat avec une mimique. Je crois qu'entre temps. Monsieur, calmez-vous. Calme. Ah ah. Alors j'en ai déjà tué deux des potes à toi, enfin des gars comme toi, donc tu me fais pas peur. Oui, tu me fais pas peur, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu me fais peur là. Et je l'ai jamais, je connaissais pas cette attaque. J'aurais dû lui dire, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Il m'a fait peur, le petit salaud. Ah. Alors bon, à partir de là, si je cours, hein, on l'a déjà vu. C'est la survie. D'ailleurs, j'ai totalement envie d'aller récupérer... Oh non, je dois remonter. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, j'ai 20 000 âmes. Faut que je tue ce mec-là. Genre, vite. Sans que l'autre, il me tue. Combat d'handicapé. Il est passé où le mage? Oh non, faut pas que j'aille tuer l'autre maintenant. Ah mais moi je vais pas tuer l'autre, il est beaucoup trop dangereux, faut le tuer deux fois. Quoique là, il a pas, j'ai pas l'impression. Ah si, il a bien les yeux jaunes. Hein. Mais putain! Mais putain! Je viens de perdre 20 000 âmes. Est-ce vraiment grave? Non. Concrètement, on s'en branle. Mais là, en fait, je suis assez vexé parce que j'ai oublié. En fait, j'ai déjà fait tout ce que je suis en train de refaire. Et ça me fait juste chier de le refaire. Voilà, cette fois-ci, tu m'aimeras pas. Non, non, non. Oh, j'ai failli me prendre la flèche en contrepartie quand même.
Non mais c'est vraiment les pires ennemis de la zone ça là, je vous jure. Hein. Oh écoutez, ça me saoule. Oh un crabe. Tout ça pour une gemme des ténèbres. Fort désappointé. Je suis très fortement désappointé. Parce que si je me ferai pas avoir par l'autre bourrin. Perdu 20 000 âmes là. Non mais je vous jure. Ouais, mais en même temps, le squelette, moi je comprends hein, que t'aies envie de taper dedans parce que. Il t'a énervé, hein. Ah, tu viens de te faire flinguer par un squelette, gros. Un squelette, gros. Ouais, c'est ridicule. Non, mais carrément, un squelette t'a flingué, quoi. Aïe, aïe, on. On ne respecte plus les démons de nos jours. C'est honteux, c'est honteux. Coucou, ça faisait longtemps les... J'ai cru que je m'étais jeté dans l'attaque. Oh non, 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 non. Mais non, j'ai pas, je peux pas me prendre ça, c'est pas possible. Honnêtement, les mimiques... Enfin là... En vrai, je sais pas. Je sais pas si je devais vraiment mourir ou pas. Par rapport à mon esquive. Mais j'ai pas l'impression. Mais les chopes des mimiques, c'est tellement random. Je devrais arrêter de les esquiver de cette façon-là. Je devrais vraiment bourriner les roulades dans l'opposé. Mais j'arrive pas. Salut. Alors, j'ai perdu 20 000 âmes pour une putain de gemme des ténèbres. Maintenant j'ai 6000 âmes en jeu, je vais éviter de les perdre bêtement nous aussi. Là je suis cool, j'ai... Oh bah... J'en tue encore 3, hein. Moi je voulais en tuer aucun. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a Horace, il est posé, il est là, il fait « Oh tiens, il y a des squelettes qui tombent. » Mais il s'inquiète pas, le gars. « Oh, il y a des squelettes qui tombent. » J'ai dit « Tiens, le pont, il fait que de se casser, se refaire et tout. C'est chelou quand même. » Mais ça va, il gère. Il gère, il est là, il gère la fougère. Tiens, vile créature du démon. Oups. Tiens, meurs, démon. Mais non, mais j'ai fait cette putain de roulade. Je la fais cette roulade là, ça me saoule cette attaque. Elle a abusé cette attaque concrètement. Non, c'est pas la seule attaque dangereuse parce que les mimiques ont plusieurs attaques. Toutes leurs attaques sont dangereuses. Là, je pense que par contre, c'est la seule qui one-shot. Quoique c'est possible que non, hein. C'est possible que ce ne soit pas du tout la seule qui me one-shot. En fait, ça passe large. Hein. Donc non, c'est possible que ce soit pas du tout la seule attaque qui me one-shot, mais c'est la seule qui est dure à esquiver. Il y a aussi son coup de pied sauté, mais il le fait super rarement parce qu'il faut être loin en fait. En fait, je crois qu'à partir du moment
Ou à partir du moment où j'ai un truc dans la... où on donne un coup d'épée sur un câble, ça se casse la gueule. Donc en fait, en vrai, il faut éviter de le faire n'importe quand. En fait, faut pas se battre sur le pont, sinon vous mourrez bêtement, quoi. Je peux t'assurer que c'est la dernière fois que tu m'as eu, toi. Non, c'est très moche que je viens de faire. Voilà. Non mais oui, oui je sais, c'est pénible, mais si je t'attaque avec parcimonie, bah, je te défonce la gueule. Je sais, mais moi à un moment je prends la confiance, tu vois. Et quand je prends la confiance, et ben tu me défonces. Du coup après je suis obligé de me mettre à rejouer comme avant, à faire gaffe et tout. Et là je te défonce parce que du coup t'es un ennemi bidon si je fais attention à ce que je fais, tu vois. Comme ça, vous avez tous tendance à ne pas le comprendre, mais regardez, moi je me balade, parce que je prends la confiance, et à un moment je vais faire une erreur, ça va être fatal. Mais tant que j'en fais pas, bah il n'y a pas de bazooka dans le coin, parce que fatal bazooka, voilà. Toi tu vas te calmer direct, je te le dis tout de suite. Laisse-moi prendre l'anneau de la sorcière. Calmez-vous les enfants. Bon, je suis à deux grands fragments, c'est pas assez. Par contre, c'est vrai que je pourrais améliorer mon arc. Qui doit être plus lourd, en fait, je suis en train de me dire. L'arc de Faris. Ah non, il est plus léger. Ah, doublement avantageux de le récupérer, alors. Bon, là, on a plusieurs choses à faire. Premièrement, aller voir personne. Parce que ce qu'on va faire, en tout premier, c'est des roulades. C'est important. En fait, ça permet... de se détendre, voilà. Ce qu'on va faire en tout deuxième, vraiment en tout deuxième, c'est s'approcher du mur là-bas. Vous voyez, il y a un petit mur ici. Vous vous en approchez, vous lui faites un câlin au mur. Je vous jure, c'est de la magie, regardez. Câlin, câlin, câlin. Et d'un coup, vous partez faire des roulades parce que vous kiffez faire des roulades, vous aimez ça. Bon. Des fois, vous vous prenez des trucs dans la gueule parce que les roulades, c'est dangereux. Et vous récupérez la chevalière, voilà. C'est. Là, on fait des roulades, hein. Des roulades, c'est important. Toutes les 10 secondes à peu près, vous partez faire des roulades, c'est important. Très important dans les marécages, les roulades, c'est important. Et dit comme ça, on dirait un peu un slogan, hein, mais je vous le dis. Hein. Et là, j'ai aucune idée de ce qu'il y a si je vais là. Donc, j'attends que ça tire. Je suis jamais passé par là. Donc ce qu'on va faire, on va changer de plan. Je vais aller voir Horace. Je vais récupérer la fin des objets de la zone. Je vais aller voir Horace. Ah oui, les grands fragments de titanite, j'en veux, hein. Donnez-en moi, hein. J'en ai assez là. Je suis à 5 je crois. Ah non, je suis à 6, donc je peux encore monter mon arme d'un niveau. Ce qui devrait être plutôt intéressant, mais on va quand même aller voir Horace. Salut! Donc là, j'ai récupéré un anneau, j'ai récupéré une entrée, je sais pas où elle mène, enfin je crois savoir où elle mène, mais je suis jamais passé par là. Donc je trouve ça super sympa. Non! Non! Tant pis. Ah, il y en a un deuxième. Cool. Eh mais niveau astuce j'en ai pas. Ah mais il y a eu un feu, je suis con. Ok, va te faire foutre. Eh bah ouais, ça marche. Il va mourir, hein, il va mourir. Normalement il est tombé un fil. Éclat titanite. Éclat titanite. Putain, un deuxième. Il m'en faudrait un deuxième et je pourrais encore améliorer ma. Calmos, ok. Arrête Horace, on sait toi comme moi, déjà que tu es muet, ça veut... Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la charge, ça ne sert à rien si je me la prends pas en entier. Donc si t'appuies pas sur R2
pour me... Ah ça par contre ça fait mal. Mais si tu m'appuies pas sur R2 pour me foutre la charge en entier dans la gueule, ce que tu fais ne sert à rien. Et tu... Horace, Horace, tu es mort. Calme-toi. Henri, Henri, Henri. Oui, t'es à peu près par là, Henri. J'ai tué Horace. Alors je sais pas si tu m'en veux ou pas. À vrai dire, je m'en bats les couilles, frère. que tu m'en veuilles ou pas, parce que déjà t'es une femme. Et le son est très pénible. Ça, c'est le vent qui s'engouffre bah, dans le gouffre, justement. C'est pas agréable. Vraiment, les gens n'ont pas pensé à ça quand ils ont fabriqué le gouffre. Ah, c'est mieux, voilà. Ah maintenant, on entend l'arbalète. Par contre, je pense pas que je vais tuer le serpent maléfique, je sais pas quoi, là. Tout de suite, parce qu'il est un peu costaud. Par contre, je vais tuer le roi, hein, ça... Ça, c'est pas un... C'est pas un problème. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'en plus, dans tout le coin avec les crabes, il n'y a pas un seul objet. Donc, en fait, où est-ce qu'on apparaît? C'est ça la grande question que je me pose. Eh ben, j'en ai aucune foutre idée. C'est marrant. Oh! Surprise. Surprise, surprise. Je ne sais pas où je suis. Enfin, apparaître dans un endroit où j'ai clairement pas le niveau. Mais concrètement... Ah si, je me disais bien, on est exactement pas où je pensais. Enfin, on n'est pas loin de où je pensais être, en vrai. Mais pas exactement où je pensais. Mais pas loin. Et ça, c'est... C'est plutôt étrange, hein, comme sentiment, là. Parce que je pensais en fait être dans la salle qu'on a vue à droite, voilà. Mais là, il y a plein d'objets d'endroits cachés, donc on va tous les décacher. Bah j'ai pas le niveau, tu m'excuses. Oui, c'est ça, salut. Je vais prendre, augmenter mon arme. Voilà, il me manque un éclat titanite, mais je reviendrai, t'inquiète pas, j'en aurai un jour. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Niveau amélioration. Non, bah on est bien. Non, mais là, concrètement, aujourd'hui, je suis plutôt chaud quand même. Genre, même, j'ai envie de dire, je suis pas mal. Je suis pas mal là. Si en un épisode, j'arrive à faire Cartus et les catacombes un peu chelou là du lac, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Mais les catacombes, c'est du travail. Hein. Parce que déjà, il y a un passage secret ici, vous voyez. Tiens, d'ailleurs, passage secret qui va m'emmener à l'endroit où je veux être. Ah, pas. C'est pas exactement l'endroit où je veux. Alors, en fait, eux, ils ont l'air impressionnants comme ça, mais ils sont très faibles. Hein. Ils tapent fort. Ça, c'est pas un secret, mais voilà, ils sont pas dangereux. Donc, et ils donnent des fragments de titanite, c'est bien. C'est bien, parce que comme ça, si un jour je pète un câble et je dis, tiens, il faut encore que je change d'arme. Là, attention, là, alors là, si je m'en prends sur la gueule, je suis mort. Donc, normalement, à l'aller, il n'y a pas de souci. Mais c'est au retour, voilà, le fragment d'estus que je n'avais pas pu récupérer dans le let's play original, parce que je n'avais pas compris. Et ben là, c'est gagné. Là, c'est gagné, c'est gratuit. Voilà, et j'aime quand c'est gratuit, putain. Donc, on va continuer par là, comme ça, en plus, j'arrive par un... Je savais qu'il y a... Donc, je savais hein, qu'il y avait un chemin annexe qui permettait d'arriver par là. Je le savais par rapport à l'ordre des feux, en fait. Parce que le feu, est en fait, par rapport à l'ordre des feux et à l'endroit où regarde le personnage. Alors j'espère qu'il n'y a pas de crabes qui vont... Un éclat? Non, faut pas demander. En fait, en gros, le feu que je viens de prendre, souvent je vais découvrir après le feu qui est à la sortie du... à la vraie sortie du... de ces souterrains, et donc je comprenais pas pourquoi celui-ci était avant alors que je le prenais après. C'est parce qu'on est censé arriver en fait par ce feu-là et sortir par l'autre, voilà. Ok, j'ai pris grave de dégâts. Je ne peux pas être empoisonné et toxique en même temps, ça serait vraiment trop méchant.
Mets ton bouclier. Ah oui, mon ami. Attendez, j'ai fait... Je lui ai fait 142 en tapant dans son bouclier. Alors, mon gars, ton bouclier, faut faire quelque chose, c'est pas terrible, terrible. Hein. Salut. Et en fait, je pensais qu'on atterrissait là, mais en fait, je suis en train de me dire que ça n'a aucun sens d'atterrir ici. Ou alors peut-être que non, en fait, ma mémoire me joue des tours et que je pensais qu'on atterrissait dans le couloir. Mais j'avais jamais pris le temps de tester parce que concrètement j'en avais pas vraiment besoin. Parce que j'étais en New Game Plus après à chaque fois que je faisais cette zone. Donc nécessairement... Là il y en a un qui va arriver et là... Oh je t'ai raté. Par contre mec t'as vraiment un problème avec ton bouclier quoi. 71... En même temps je te fais mal. C'est vrai que je lui fais très mal. Et... Monsieur je vous permets pas. J'adore cet endroit, avec les cadavres de démon Capra et tout, c'est trop classe. On est vraiment dans un endroit qui est censé nous rappeler Lost Izalith, ça. Hein, avec les démons Capra, je crois qu'il y a même des démons taureaux par endroit. Il y a les ennemis d'ailleurs de... Bah, de... Voilà, bah, les démons taureaux ils sont là. Tu peux juste le tuer avant de mourir, merci. Ah non, c'est pas les démons taureaux, ça, c'est des... Attendez, si, c'est des démons taureaux, ça, pardon. Voilà, il y a ça aussi, donc ça, c'est très marrant de les revoir. Là, normalement, il y a un... Moi je suis une salope. Non vraiment pour être honnête je trouve que je suis pas quelqu'un de vraiment sympa. Et la petite attaque des stocks. Ah putain. Monsieur est chanceux. Monsieur est chanceux. Alors il me drop, lui ne me drop rien. Mais il y a l'épée de chevalier noir qui est une excellente épée. Vraiment alors qu'est-ce que je fais. On va commencer par allez débloquer le prochain feu. Ah et par contre ça c'est très costaud. Donc on va aller débloquer le prochain feu. Et après je terminerai de fouiller la zone. Parce que là ça devient un peu hardcore. Il y a ce qu'il y a là-bas que je dois aller voir. Donc je sais pas encore exactement dans quel ordre je vais faire mon truc. Voilà c'est pour ça. Là ça, ça devient... Là je, comme je dis là le jeu il devient... Là la zone devient costaud. En plus en arrivant par là bah, je l'ai jamais fait. LOL, à chaque fois j'étais au bout de la pointe qui vient me faire. Et moi je fais oh non je décède. C'est plutôt con. Bon par contre j'ai récupéré une fiole d'estuce donc on va aller améliorer notre estuce. Là ça devient chaud patate. En vrai. Mais en vrai, je suis en train de réfléchir. Non, je sais pas quoi je réfléchissais. Je crois que ce que je vais faire, c'est juste aller débloquer le feu. Donc je vais juste aller débloquer le feu. Je vais pas me faire plus chier que ça. Je vais le débloquer en tuant tous les ennemis, mais je vais pas m'y reposer et je vais revenir terminer la zone parce que cette zone, il y a pas mal de trucs après qui sont cachés. Il y a énormément en fait, de trucs cachés dans cette zone. D'ailleurs, je pense que je vais en oublier, je me souviens pas de tous. Mais là, j'ai un truc bizarre dans la bouche. Là, la montée des escaliers, elle m'a un peu pris de court, on va dire, hein, pour être poli. Je me suis un peu fait péter le fion. Et honnêtement, c'est pas la sensation la plus agréable qui existe. À dire vrai, c'est même une des plus désagréables. Quand c'est fait avec amour, je dis pas, hein, peut-être que c'est agréable, j'ai jamais pratiqué, mais peut-être que c'est agréable. Mais quand c'est fait à coup de lance, c'est pas ouf. Je veux dire, concrètement, je ne souhaite ça qu'à des gens que j'aimerais pas, quoi.
imaginez cette arme avec cette portée et ce moveset avec des saignements. Imaginez juste 2 secondes. Non, parce que, en fait, je pourrais lui mettre des saignements, mais je perdrais beaucoup trop en dégâts. Mais les mêmes dégâts, quitte à avoir par exemple, au lieu qu'elle soit, par exemple, les mêmes dégâts en étant en plus 7 au lieu d'être en plus 6, vous voyez. Une petite différence comme ça, mais avec des saignements, vous tapez votre ennemi de loin, vous êtes tranquille, et d'un coup, le mec, il explose en saignant. Donc, il décède de décès. Hein, c'est bien pire que de décéder de quoi que ce soit d'autre. Hein. Le décès, en général, c'est pas cool. Par contre, je récupère mes âmes, espèce de petit bâtard d'enfoiré de merde. Allez, venez vous battre. Non, en fait, venez pas vous battre. C'est pas la bonne stratégie. C'est pas la bonne strat. Je pense que les insulter en se mettant derrière son bouclier de merde, c'est pas une bonne idée, parce qu'il faut pas oublier que j'ai un bouclier de merde. Hein. Concrètement, le bouclier ne part pas à 100% des dégâts. Donc, on va refaire la même strat, mais ce coup-ci, je vais être un peu plus pute. Je vais essayer de me foutre dans les escaliers, déjà voir s'il y en a un ou deux qui viennent. Ah merde, alors là déjà on est mal barré. Je crois que je vais faire ça. Je vais me foutre dans les escaliers, voir s'il y en a un ou deux qui viennent. Et sinon, je vais tirer mes petites flèches. Parce que ça, c'est la strat d'enfoiré. Et la strat d'enfoiré. Toi, par contre, je t'ignore parce que je sais que tu me suivras pas. Les strats d'enfoiré, ça marche. Et si ça marche, c'est que c'est efficace. Donc, les strats d'enfoiré, c'est efficace. Souvent, être un enculé, c'est plutôt cool. Donc, je vais me foutre dans les escaliers. Voilà, il arrive. Je me prépare à lui faire une attaque transperce bouclier 2 fois parce que je suis une salope. Déjà ça en fait un de moins. Là il y a le deuxième, il y a le petit frère. Allez viens, tu vas trouver ton chemin. Oh, tocard. Oh putain, il est pas tout seul. Donc une petite flèche. Eh hey, coucou. Eh hey. 2 fois tu m'esquives. Alors esquive ça. Ok, alors là c'est la merde. Du coup, deuxième strat d'enfoiré, on spam R1. Qui va mourir en premier? Ça va être moi, sauf que là j'ai 6000 âmes, donc on joue sécurité. Alors ça c'est une sauteuse. Ça, c'est une petite pute sauteuse, donc vous lui courez dessus. Ils sont deux. Ils sont deux, j'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié que j'avais grave amélioré mon arme entre-temps, donc en fait... Ouais, mais j'ai failli faire un double KO, là, quand même. Ça m'aurait emmerdé. En vrai. Ça, j'arrive pas à savoir ce que c'était dans les anciens. Salut. Bon, concrètement, n'est pas si mal. Concrètement, n'est pas mal parce que déjà, toute la partie où je viens d'aller, j'aurais pas à y retourner. Enfin, sauf si je décède là de décès. Alors, le principe de décéder de décès, c'est qu'il ne faut pas le faire en fait. Enfin, c'est mieux quoi. Je me suis foutu de ma gueule. Je vais mourir! Mais en fait, avec eux, le fragment de titanite, c'est assuré ou quoi? Il y en a qu'un? Ah oui, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a deux parce qu'ils portent leur boule de feu, mais ils en font apparaître aussi. Et en fait, lui, à chaque fois, il en fait apparaître une et j'ai l'impression que c'en est un autre. En fait, c'est que lui. Alors là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai 20 000 âmes. Et que j'ai pas envie de les perdre.
Parce que deux fois 20 000 âmes dans le même épisode, c'est un peu costaud. Mais on va quand même réavancer, continuer sur notre lancée. Quitte à le faire en deux fois. Parce que comme je dis, là, j'aurais juste à courir ici. Hop. Et donc j'ignore déjà tous les grues. Grues. En fait là c'est super relou quoi. Non mais ça a beaucoup trop de vie ces merdes. Mais je veux pas attaquer la boule de feu. Oh ce jeu, des fois il se passe des trucs de tocard. Là je vois pas comment faire là. Plus ça va plus il y a de boules de feu. À moins que ce crétin il vienne me voir. Ouais, c'est ce qu'il fait donc. Oh bah non. Non parce que la hitbox elle te dit fuck. Ah putain. Mais en même temps ils ont fait apparaître plein de boules de feu et tout. Parce que voilà je trouve des excuses. En vrai. Ce qui va se passer, voilà. Vous voyez, ça c'est le deuxième feu et il nous montre à chaque fois les escaliers alors que je voulais aller là. Et à chaque fois je me dis, ah, c'est bizarre qu'il ne montre pas la direction où je veux aller. Donc je me dis que je viens d'arriver par où je vais pas aller en fait. Par où je devais pas arriver. Et du coup là en fait on retourne en arrière. C'est pas grave, hein. Voilà, rajoute des boules de feu, mais moi je te bute, hein. Et du coup, bah tes boules de feu, tu l'as dans le cul parce qu'elles ont disparu. Ah oui, petit enculé. Aïe. Oh mais arrête de rajouter des boules de feu, sérieux. Est-ce que je peux les détruire avec une seule flèche? C'est un peu trop. C'est un peu trop à mon goût de devoir utiliser deux flèches pour ces trucs. On va faire la strat. Je te défonce le cul, je te défonce le cul. Je te défonce le cul, je te défonce le cul. Ah mais il est passé où? Ah mais il est là. Aïe, j'ai failli mourir encore. Les doubles KO, ça apparaît beaucoup trop fréquemment à mon goût. Enfin, du moins, les tentatives de double KO. Tentatives de n'importe quoi. Oh, et ça, c'était débile. Ça, c'était débile. Quand j'ai vu l'objet, je me suis dit... Non, mais ça, c'est beaucoup trop gratuit, ça, Jackie. Alors, je sais plus où, mais il y a un passage secret. Je crois que c'est là. Non. Merde. Ici ? Il y a un passage secret quelque part, mais je sais plus où. Écoutez. Peut-être même que je suis venu jusqu'ici pour rien. Je crois que c'est là. Ah non. Je suis vraiment venu jusqu'ici pour rien. Enfin, à part le fragment d'os de mort-vivant, là. Bon, bah écoutez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre là vite fait. Donc, je peux tout faire ça en esquivant les ennemis, c'est pas un souci. Non. Alors par contre, je le dis tout de suite, parce que je suis con, mais pas à ce point-là. Ça, on peut le casser. Ça, c'est pas un souci. C'était là le passage, d'ailleurs, parce que... Voilà. Mais il y a un endroit où il y a de la lave. Vous vous en doutez. Hein. D'ailleurs, l'accès pour y aller, c'est ici. Je ne vais pas aller récupérer les objets dans la lave, parce que la lave, ça fait mal. Regardez. Voilà. Donc, concrètement... Dans ce jeu, il n'y a pas d'astuce pour marcher dans la lave à part
C'est pas comme dans Dark Souls 2 où il suffit de se mouiller la nuque. Hein. C'est dans Dark Souls 2, il y a des pots d'eau. Vous faites une roulade dessus, vous êtes mouillé du coup. Et vous pouvez, de manière miraculeuse, hein, on peut le dire, du coup, vous pouvez tranquillement marcher sur la lave. Vous mettez ça plus une transpiration abondante. Le nom de ce sort est magique. Et un objet qui vous permet de résister aux flammes. Et vous marchez sur la lave comme si c'était une flaque d'eau finalement. Bon bah ça c'est fini dans Dark Souls 3, vous ne pouvez plus le faire. Donc, je vais pas le faire du coup. Parce qu'il n'y a pas l'eau, hein. Bon, mais par contre vous pouvez faire transpiration abondante, ça marche très bien. Ah mais ça pique hein, mon grand. Hein. Ça pique. Mais je vais peut-être pas mourir de conneries quand même. Alors là, c'est très putassier ce qui se passe parce que je les mets tous à un HP. C'est pas cool. Par contre, le trou dans le sol, je sais plus où est-ce qu'il mène. Savoir ce qui est encore plus pute, c'est le passage secret dans le passage secret. Alors ça, on est au summum de la putasserie. Et par contre, il y avait un trou dans le sol tout à l'heure, je sais plus où est-ce qu'il mène. Tant pis. Oh, 666. Je vais retourner en arrière et je vais aller voir. Parce que je suis curieux et que c'est un vilain défaut, donc... Ah bah en fait si, ça menait bien où je pensais, mais... Ouais d'accord, ok. Bon bah ok. Bon bah voilà, j'ai fini la zone. L'épisode va durer encore une dizaine de minutes. Je vais pas faire le boss dans cet épisode. Comme ça, dans le prochain épisode, on se tape deux boss, c'est rigolo. Et merde. Regardez ce qu'un ennemi quand même peut faire. Il m'enlève la moitié de mes chances de résistance à la malédiction, quoi. Donc là, soit je décède dans les prochaines minutes. Et dans ce cas-là, je ferai tout ce que je veux faire dans le prochain épisode. Soit je ne décède pas, et dans ce cas-là... Enfin, je termine l'épisode. Alors voilà, par contre... Lui, c'est la version ultra costaud du... Putain. En fait, ça, j'aimerais tellement faire des dégâts saignement sur une attaque comme ça. Oh là là, oh là là. J'ai encore la braise. Oh, que j'aurais dû utiliser beaucoup plus tôt pour avoir plus de points de vie. Ça, finalement, ça fait pas tant de dégâts. Bon, par contre, s'il fait que ça... Eh merde. Eh merde, eh merde, eh merde. La braise, on va s'embraser la gueule. Oh cette chatte, parce que là je pensais qu'il était encore... Oh, là j'ai une chance. Déjà j'ai une super arme. Et j'ai une chance de fou. Pour la simple et bonne raison qu'au moment où je le frappe, c'est juste à la fin de son hyper armor, donc c'est à la fin où il est hyper résistant. Je l'aurais frappé, je pense, une demi-seconde plus tôt. Et je faisais que dalle de dégâts et je me prenais son attaque et j'étais mort. Des fois, ça passe à ça dans les Souls niveau timing. Et pourtant le timing, je connais un petit peu parce que je suis un petit peu un joueur de Counter-Strike. Et dans Counter-Strike, qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux que le timing? Bah rien. Enfin pas de plus dangereux, mais qu'est-ce qui fait le plus rager que le timing? Rien.
30 000 âmes. Oh, j'ai eu deux fioles d'estus, j'avais pas vu ça. D'où elles sortent, je sais pas. Je crois que c'est en tuant cet ennemi à l'instant. Alors là, ce qu'on va faire, pour bien finir le niveau, parce qu'il me reste plus que ça et le boss. Je vais pas faire le boss dans cet épisode. Mais je vais terminer la dernière partie du niveau. Et en fait, il faut savoir que là, il y a un arc à récupérer. Je vais vous montrer ça. Un grand arc, je crois. Ou un arc pourri. Enfin, je sais plus. Un arc. Il y a un truc à récupérer. Ah non, en fait, non, tant pour moi. Je pensais que c'était qu'une seule échelle et que du coup, si on tombait là, on pouvait pas remonter derrière. Parce que du coup, je comptais aller faire tout ce que j'avais à faire. Revenir ici, récupérer l'arc et me téléporter, mais je peux le faire sans perdre de vie. Voilà, c'est l'arc de mon dragon. Donc en fait, c'est un très bon arc. Pas pour mon perso, par contre. Mais c'est un arc très important, très intéressant, pardon, si vous êtes magicien. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est un arc qui fait des dégâts. Eh ben non, pas dans celui-ci, pardon. Autant pour moi, je crois que c'est que dans le 2, alors qu'il fait des dégâts magiques. S'il en fait, d'ailleurs, maintenant, j'ai un doute. Encore décédé, non? Peut-être, peut-être pas. Il en manque un. Salut! C'est là où je commence à avoir très très peur. Ok, là je peux pas couper l'épisode avec 32 000 âmes dans la nature, donc je vais tenter un truc de fou. J'ai dit que l'épisode ferait 1h10, donc j'ai 2 minutes 20 pour courir récupérer mes âmes. Là, vous pouvez être sûr que là, si je me fais attaquer, taper ou quoi, j'utilise une braise pour augmenter mes PV et donc ma résistance. Bon, sauf ça, là, c'est, je me sens pas en danger. Normalement, il y a moyen de faire le trajet très très vite, de manière très très safe. Parce que je le sais, je l'ai fait beaucoup de fois, parce que là, bizarrement, j'ai réussi à tuer Zolig très rapidement. Il faut savoir que Zolig m'a toujours posé beaucoup de problèmes. Voilà, par contre, d'habitude, je le tue, mais... Voilà, et là, le seul truc que je risque maintenant, c'est ces putains de trucs-là. Et le chevalier, donc je vais quand même bouffer une braise pour le chevalier. Augmenter ma résistance en cas de problème de type le chevalier te pousse dans le vide. Ce qui peut être très rapidement gênant si je suis sur la partie finale du pont. Voilà, et c'est aussi pour ce genre de problème là. Allez, je vais le tuer hein, le chevalier. Parce que c'est gratuit. Alors, et ce bouclier là, je vous jure, c'est un peu du caca quand même. Merci de ne pas continuer à attaquer quand je suis dans la merde. C'est très sympa. Merde, je voulais le drop. Bon. Ça va être un épisode un peu plus d'une heure dix. En ce moment, j'ai des problèmes pour uploader. Donc je suis un peu comme As parce que... pas pour uploader, pour faire mes rendus. Sony Vegas a tendance à crasher pour aucune raison. Ce qui est très inquiétant. Il est quelle heure ? Mais c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci, je vais trouver la solution. C'est que j'ai modifié mes paramètres de rendu et du coup il plante. Donc je vais remettre comme avant, c'est pas grave. C'est que là en 1080p mes rendus sont très longs. 7, si je lance. Oula, silence. Voilà, merci.
Si je lance 3 rendus en même temps, on est dans les 7 heures pour faire un rendu, c'est énorme. Hein. Pour faire 3 rendus. Avant, je mettais à peu près... Enfin non, on n'est pas dans les 7 heures, on est dans les 14 heures, pardon, pour faire un rendu. C'est énorme parce que moi, 14 heures... Avant, on était dans les 7 heures, mais moi, 7 heures sans me servir de l'ordi, bah, la nuit, ça marche très bien. Par contre, 14, pour être honnête, non. Donc, du coup, j'ai voulu accélérer, mais si je vois que ça se... Oh, j'ai eu le bouclier en os. Si ça se voit que ça se passe mal, enfin, que ça se passe mal, que je n'y arrive pas. Avec mes nouveaux paramètres, ben, je repasserai aux anciens et je ferai mes uploads un par un au lieu de les faire 4 par 4. Pour là, pas mes uploads, mes rendus. Après, c'est simple, c'est qu'avant, en fait, j'ai toujours fait mes montages d'épisodes 4 par 4. Genre, je prends une heure et demie et je monte 4 épisodes. J'ai toujours fait comme ça, quels que soient les let's play. Et du coup, là, j'aurais juste à faire mes 4 montages, mais les rendus, je les ferai en 4 jours, c'est pas grave. En fait, déjà que ces ennemis sont chiants, mais quand ils décident de pas venir sur ta gueule et te lancer ça à la gueule à chaque fois... En plus, ça c'est... Oh. En même temps, ça fait des combats merveilleux. Hein. On dira ce qu'on voudra, mais... En termes d'enchaînement, c'est des combats qui sont pas piqués d'hameton. Hein. J'ai toujours pas eu de mon éclat. Putain, mais faut mourir maintenant, monsieur. Bon, voilà, c'est fait. Je vais vous voir rentrer, améliorer mon perso. Ça sera un épisode d'une heure et quart. Mais j'ai fait le plus dur. Je sais même pas s'il y a des objets en plus. Je sais même pas pourquoi je viens là. Parce que je crois qu'il n'y a aucun objet. Il y a juste des géants. Un petit chemin pour descendre. Ah ouais, je confirme, mais il n'y a rien. Hein. Bien. Bon, bah, retour au sanctuaire de l'Ichefeux. Prise de niveau. Et je vous laisserai patienter pour le prochain épisode, aller jusqu'à Irithyll, peut-être attaquer Irithyll. Bah oui, forcément, j'ai que deux boss à faire. Ça va pas prendre longtemps. Hein. Donc ça va pas prendre longtemps. J'ai juste, maintenant qu'on y est, amélioré mon arc. D'un coup, je me retrouve avec plein de fragments à plus savoir comment faire. Par contre, je crois que les... Ouais, on peut pas améliorer les... imprégner les armes. Donc là, arc de Pharis, je suis à combien? 218. C'est pas mal. Bon. Et ben, je vous dis à la prochaine. Dans le prochain épisode, deux boss et on attaque Irithyll. Et salut!